prêt pour les grottes? Presque. Avant d'entrer... Je sais. Boire une gorgée de chat. D'autres conseils à viser? Du type, gare à ne pas réveiller le vieux fer de lance? Tu es pire que Yen. Oh là, ne tombe pas amoureux de moi. Allons-y. Ah, au secours! Tu entends? On dirait un gamin. Tu sais comme moi qu'on est les seuls habitants de cette vallée. Il s'agit sûrement d'une illusion. Et dans le cas contraire... Ah, ah, comme tu veux. Tu as sûrement raison. Allons directement à la grotte. Enfin une décision sensée. Des os. Pulvérisés. Toujours aussi accueillant, le vieux fer de lance. Merde. C'est trop haut. Pas si je te fais la courte échelle. Ça faisait partie des épreuves. Le sorceleur est un chasseur solitaire. Mais même un chasseur solitaire a parfois besoin d'un coup de main. Vézémir. Ouais. Ouf. Espèce de gros lard. 1, 2, 3. T'es pas franchement un poids-plume non plus, je te signale. Allez, viens. Le mur n'a pas l'air solide. Un petit coup d'arde. Au risque de réveiller le vieux fer de lance. Quoi? T'as les foies? Non. Mais je réfléchis avant d'agir. Tu peux cesser ce rafut. Du calme. J'ai glissé. Ah. Quelque chose m'est tombé dans l'œil. Une écharpe, je crois. J'espère que ce n'était pas un éclat de miroir. Ça gâcherait ta bonne humeur. Ah, ah. Oh, cette odeur de moisi. À quoi t'attendais-tu? Un parfum de violette? J'aurais préféré, oui. Il est si mignon quand il dort. On voudrait presque qu'il ne se réveille jamais. L'effet de surprise. Qu'importe. Tu vas survivre? Probable. Fous ton camp d'ici. Attends. Ça, c'est pour Voltaire, salopard. Tu as fini? Allons-y.
Oh. Autant d'être à l'air libre. Ennui, droit devant. Ces trolls-là? Les ennuis sont pour eux, pas pour nous. Qui essaies-tu d'impressionner? Le coup du gros dur, ça ne marche pas avec moi. C'est la meilleure. Vesemir m'a raconté le tour que tu as joué au Nilfgaardien de Velen. Que faites-vous? Je tue des monstres. Attends. C'est sorti tout seul. Allons-y. De la magie. C'est un site d'énergie. D'étaler dès qu'il nous a aperçus. Drôle de comportement pour un troll. Causer à ces abrutis. Du calme. Nous voulons simplement aller au cercle. Sorcelier dire truc 1 et faire truc 2. Même truc 3. Des fois. Bon, ça suffit. Poussez-vous les débiles. Je vous pulvérise. C'est compris? Parfaitement compris. Bravo à toi. Fonçons dans la caverne, avant qu'il nous caille à sa mort. Jetez pierre. Vous allez rien du tout. Sorcelier, bien comprenu? Bien comprenu. Mais nous devons quand même aller au cercle des éléments. Ah, pas bien, petit mec. Trolle pas les châteaux sorceliers. Beaucoup cailloux ici. Jolis cailloux. Ça te plaît comme bavardage? On n'avance pas d'un pouce. Laisse-moi parler. Tu es aussi doué pour la négociation que pour la grammaire. On ne vous veut pas de mal. On ne touchera pas à vos cailloux. Laissez-nous simplement passer. Troll, lancez, cailloux. Sorcelier, pas tapis. Juste blablabla. Sorcelier, gentil. Gros bêta. Sorcelier, tu es monstre. Troll, monstre. Bah oui, pas faire grimace. D'accord. Vous laissez le bâton qui coupe ici. Vous passez. Sinon, nous taper et faire mal. Très bien. On laisse nos épées ici. On les reprendra en repartant. Nous pas vouloir. Métal, brrrrk, piquez la bouche. Ça va pas? Tais-toi et fais ce que je dis. Ah.
manque à tous tes devoirs. Pardon? Si je me souviens bien les leçons de Papy Vézémir, les sorceleurs tuent les monstres. Ta mémoire te joue des tours. Ils ne tuent que les monstres hostiles. Ils nous lancent des pierres, Gérald. Va te plaindre auprès d'Eskel. Encore quelques enjambées, et nous y sommes. Eh ben, on s'essouffle. Tu te ramollis? Non. C'est la gueule de bois. Tu t'es encore saoulé avec Eskel? Enfin. Nous y voilà. C'est pas trop tôt. Bon sang. Quel panorama. J'imagine si tu l'as remarqué. Gérald, pour qui tu me prends? Mais voyons, pour le grincheux de service. Dans le mille. Mais garde le reste des compliments pour plus tard. On a du travail. Tu te rappelles comment fonctionne le cercle? Fais un bail que je n'ai pas utilisé mon médaillon ici. Inutile de t'en excuser, vieille branche. Allume les torches et place le phylactère sur l'autel. Je me charge du reste. Comment est-ce déjà? L'eau, puis la terre, puis l'air. Voilà, phylactère en position. Il ne reste plus qu'à attendre. Il va absorber la puissance des éléments pendant qu'on fait une pause. Bien. Alors, comment t'es-tu débarrassé des trolls pendant l'épreuve du médaillon? Que je me souvienne. Ah oui, le signe d'Axi. Mais je n'ai eu droit qu'à un seul troll. Les deux autres étaient occupés. Ouais. Utile, le signe d'Axi. Il m'a sauvé la vie il y a peu. Je sens venir un récit intéressant. L'un des meilleurs. Je me fais rançonner par deux brigands. L'un me tient en joue avec une arbalète, pendant que l'autre farfouille dans ma besace. J'ai forcé le premier à tirer sur son comparse, puis à se pendre. Excellente ton histoire. N'est-ce pas? Et édifiante avec ça. Dis-moi, tu as toujours été un fumier sans pitié? Non. J'étais même adorable avant que Vézémir m'amène à Kermorel. Selon toi, c'est si moche d'être sorceleur? Non. Oh, j'aurais pu finir plus mal. Je regrette seulement de ne pas avoir eu le choix. C'était notre destin. Le destin? Laisse-moi te dire ce que j'en pense. Après quelques verres, mon ivrogne de père nous cognait sec, ma mère et moi. On a prié pour qu'il meure nuit après nuit. Un jour, nos prières ont failli être exaucées. Le père s'égare en sortant de la taverne, et voilà qu'il tombe sur un nid de Necker. Mais un sorceleur lui sauve la vie. Devine ce qu'il a demandé en échange. Donne-moi la première chose que tu vois en rentrant chez toi. Ma vie. En échange de celle d'un vieux salaud. Si c'est ça le destin, je l'emmerde. Je l'ignorais. Je suis désolé. La prochaine fois que tu spéculeras sur mon amertume, tu auras ta réponse. Bon, assez ruminé. Tirons-nous d'ici. Récupérons nos armes. Un sorceleur sans épée, c'est comme un homme sans bras. Tu l'as dit, mon frère. Sorcelier, reprendre bâton pointu et rentrer maison. Inutile de nous le dire deux fois. Viens, Gérald, on s'en va. Thank you.
Par devant. Je vais rester un peu. Ne t'attarde pas trop. N'oublie pas qu'on a un demeuré à guérir.